Aujourd'hui, on fait du chien de traîneau. Donc là on vient d'arriver, on a fait 30 minutes de route et le truc c'est que les chiens, donc déjà on en reparlera mais je vous fais un mini disclaimer, faut faire très attention de là où vous allez parce que c'est comme tout dès que ça concerne les animaux. Il y a des choses qui sont bien faites, il y a des choses qui sont très mal faites. Je pense que plus il y a d'animaux, moins c'est bien. Là il y a vraiment pas énormément de chiens, ils nous expliquaient qu'il y en avait ou il peut y en avoir 300 ou 400 chiens, c'est dans des cages, enfin, c'est un délire. Et bon on en reparle mais de toute manière, là en fait on va avoir notre petit cours avant de commencer le chien traîneau. Ils nous expliquent que pour le bonheur des chiens on va dire, en fait ils vont être surexcités, donc il vaut mieux les laisser être surexcités, pas trop les toucher, pas faire de photos et se dépêcher parce qu'en fait là on les entend hurler, c'est parce qu'ils ont trop hâte de partir. Ensuite on pourra faire des petites photos, s'en occuper, etc. Mais là ils sont surexcités, vous les entendez, c'est incroyable. C'est juste que impressionnant. Ouais, c'est ouf. Moi ça m'a fait flipper, enfin pas flipper, ouais, mais ouais, j'étais ouais. Tout seul. C'est vrai que ça pourrait être super. Si on m'avait pas dit que c'est parce qu'ils étaient heureux. Ouais, tu vas voir, ils sont vraiment surexcités. Ouais, you steer with your body and the brakes. When there's a corner, slow down and lean in the corner. En gros, ils sont surexcités, ils veulent trop partir, je trouve ça tellement mignon. Mais heureusement qu'on nous a prévenus parce que moi je me serais dit qu'il y avait un problème. On est installé, prêt à partir. J'ai levé mon col jusqu'en haut parce que ça fait, il fait froid quand même. Je suis installée dans mon lit là. Regardez. Et Jérémy conduit. Ils sont surexcités, c'est trop mignon. Then you know it's Christmas. Cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe, and then it's Christmas Day. The joyful times we witness forever stays with us. Soon Rudolph hears his whistle and gathers all his friends. When Santa is... Incroyable, j'ai les yeux qui pleurent mais tout va bien. On est avec pas trop de monde, 4 groupes je crois, 4-5 groupes. C'est magnifique, c'est vraiment sublimissime. Franchement, vous le voyez je pense. Les yeux qui pleurent tellement. On fait une petite pause parce qu'il y a des gens qui veulent changer de passager. Et après on repart, on est au milieu du chemin. Il est trop beau. Tu le fais ma photo. Il adore les caresses. Il adore les caresses. Oh, boubou. Il est tellement beau avec ses beaux yeux. Beaux yeux bleus. J'aime trop comment il se roule dans la neige. Oh.
On est de retour à l'hôtel. Mauvaise nouvelle. On a dû changer de chambre. Genre ce matin, avant de chanter, nous, on a fait nos valises parce qu'elle était plus dispo. Enfin, c'était un peu galère. Donc, on est toujours dans le même hôtel, juste on change de chambre. Et là, on est rentré. Et en fait, la chambre n'est pas prête. Genre, on est congelé. On attend la réception. Il est 13h30. Enfin, ça fait déjà une heure qu'on est là. Et elle nous a dit, genre, que ça devrait être prêt à 16h. On est en mode, mais. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je me mets en mode montage parce que j'ai une vidéo qui sort à 19h. Il y a une heure de décalage avec la France. Dès que j'ai terminé le montage, je vous fais un débrief magique qu'on a vécu. Comme c'est assez grand, je vous disais, il y a quelqu'un qui peut nous déposer jusqu'à la chambre avec nos affaires. Et le monsieur vient de dire que ce soir, il y aurait peut-être des aurores boréales. Parce que là, il n'y a pas de nuages. On a vu la lune et il est en mode... J'espère. Notre maison, c'est celle de droite. C'est la même en plus grande. Je pense qu'on se rendra pas compte à la cam. Enfin si peut-être, mais c'est beaucoup plus grand, il y a plus d'espace. Bon du coup nous on est là jusqu'à demain. On part de l'hôtel demain matin parce qu'on dormira ailleurs dans un lieu très spécial pour une vidéo un peu spéciale. Ouais je dis trop spécial. Mais c'est spécial quand même. T'es d'accord que c'est un peu spécial? Ouais, c'est la pire de toute ta chaîne. Non. Non, pas la chaîne, elle a plus spéciale. Ouais, mais t'as mis 8 fois spéciale dans la chaîne, dans la phrase, ça va pas mieux. Et on va voir la vue, comment elle est de ce côté. C'est trop mignon, on a la vue sur les petites maisons cette fois. One eternity later. Bon, update, il est 20h30, il s'en est passé des choses depuis. Du coup, on a changé de chambre, on n'a pas de chance, il n'y a pas de chauffage dans la chambre, c'est pas une blague. On est en Laponie, il fait moins 20 degrés, il n'y a pas de chauffage dans la chambre, on dirait pas comme ça, mais on se les caille. Mes émotions, c'était comme ça. On est rentré du chien de traîneau hystérique parce que c'était sincèrement la meilleure expérience de ma vie, la meilleure activité, je sais pas comment on peut appeler ça. C'était lunaire. Vraiment, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre quelque chose comme ça. En tout cas, si vous venez en Laponie, faites très attention là où vous allez, je le redis. On est passé dans la forêt, dans des endroits avec que de la neige. On n'était pas énormément. Après, on s'est posé dans une petite yourte pour boire un petit truc chaud. C'était magique, vraiment fantastique. Les chiens étaient adorables. Ils réclamaient des câlins. Ils étaient trop mignons, trop gentils, surexcités. J'ai adoré l'expérience. Vraiment, j'ai pas les mots pour décrire ça. Bref, donc on est rentré trop content. La chambre n'était pas prête. Moi, je commençais à stresser. Il faut savoir que quand même, une vidéo par jour, en vrai, c'est stressant. J'étais plus stressée avant, les autres années. Maintenant, je suis en mode, en fait, dans tous les cas, j'essaie de me surpasser et de tout monter dans la nuit, faire des tout le temps, quitte à pas dormir. Mais en fait, si en plus je stresse alors que je fais tout pour que ça sorte à l'heure et que tout soit bien, ça sert à rien. Donc évidemment que je stresse, mais je stresse moins que les autres années, on va pas se mentir. Avant, j'organisais tout de A à Z, comme là hier je vous disais les taxis et tout. Enfin, genre, je me posais 15 questions, comment on va rentrer, il faut qu'à telle heure on soit là et tout. Là je suis en mode, on verra. De toute manière, je ferai tout pour que ma vidéo sorte à l'heure. Et c'est comme ça. Hier, exceptionnellement, c'est la première fois qu'elle sortait en retard. Enfin, hier, pour moi, c'était il y a 2 heures. Mais pour vous, c'était hier. Bref, donc je fais mon montage et tout. On rentre dans la chambre trop belle, pas de chauffage. Donc je monte pendant des heures, vraiment des heures et des heures. Là, on arrive quasiment au milieu des vlogmas. Et je crois que j'ai la déprime. Je pense qu'aussi, bah, il n'y a pas de soleil. Il fait nuit, 21h par jour. C'est normal que ça mette un coup moral. C'est le principe. Mais je crois que là, ça y est, ça me tape. Et ça me saoule parce que je suis en Laponie, j'ai envie de profiter. J'ai envie de faire des trucs de ouf. Mais en fait, là, je suis en train de tomber malade. Je sais pas si c'est à cause de la chambre de ce matin. J'en sais rien. Mais là, je sens que j'ai mal à la gorge. Je me sens fiévreuse. Typique, un voyage avec moi, ça ne peut pas arriver si je ne tombe pas malade. Deuxième chose, je commence à vraiment stresser. Parce que du coup, je viens de finir de monter la vidéo qui vient de sortir. La vidéo que vous êtes en train de regarder, normalement, j'aurais dû la monter au fur et à mesure, mais du coup j'ai pas pu parce que je suis en retard. Et là ça commence à me vraiment stresser parce que je ne dors pas et je ne veux pas me plaindre dans les vlogs. Là c'est vraiment exceptionnel, mais je préfère être transparente avec vous. C'est le principe de vlogger tous les jours. Si je vous montre que les giga trucs, ça sert à rien parce que c'est faux. Je dors vraiment pas et on peut pas s'en rendre compte dans les vlogs, mais je monte jusqu'à très très tard le soir, genre plutôt le matin, et je me lève très très tôt le matin, donc je dors très peu. Peu importe la destination, peu importe le décalage horaire. Donc c'est dur, mais en même temps c'est ce qui me permet de faire autant de choses incroyables. Donc vraiment je suis trop contente. Mais là aujourd'hui c'est pas encore arrivé depuis le début des vlogmas. Évidemment il y a des moments où je suis un peu stressée, un peu voilà. Mais là aujourd'hui c'est le moment de down. Malheureusement, alors que j'ai fait du chien de traîneau ce matin, c'est pas normal. Je sais pas quoi faire, si je dois taper un scandale. Parce qu'en fait ça fait 15 fois qu'on leur dit qu'il y a pas de chauffage. Ils essaient de trouver des solutions mais ils font rien. C'est à dire qu'ils nous disent on essaye de voir, mais ça fait 4 heures. Du coup on veut des nouvelles. Qu'est-ce qu'on va faire? Taper un scandale? Pas taper de scandale? Je pense qu'on va taper un scandale. Mais vu le prix de la nuit, franchement, avoir froid, tomber malade. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller s'habiller premièrement, parce que oui j'ai essayé de prendre une douche chaude pour me réchauffer. Ensuite on va aller au village du Père Noël. Je ne sais pas comment on s'est démerdé pour en arriver au point que limite la veille de partir on soit toujours pas allé au village du Père Noël alors qu'on y habite. Mais on va y aller, on va aller manger là-bas. Allons se préparer. On est au village du Père Noël.
on va essayer de trouver un truc vite à manger avant que ça ferme. Et ensuite on va visiter, ça a l'air trop beau. Je vous spoil un peu. On dirait un parc d'attractions. Il y a personne parce qu'en fait les activités sont fermées. Et en fait apparemment la journée c'est vraiment genre il y a énormément de monde. C'est à dire que c'est la ville du Père Noël, dans le monde entier tout le monde connaît. Et c'est plus bah, un peu pour les enfants quoi. Donc nous c'est ok de venir même si c'est pas trop ouvert. Genre on va pas manger mon chat. De quoi? On va pas manger, ça ferme peut-être dans... Allez bouge toi le cul. Il fait un froid, j'ai jamais ressenti un froid pareil dans ma vie. C'est un froid polaire. Story time, on est allé parler à la réception. Et Jérémy, il a commencé à dire, répéter le problème à la personne, etc. Ce qui s'était passé. En fait, moi, c'est ça que j'aime pas. Genre, enfin, qu'est-ce qu'il peut faire le mec? Enfin, non, c'est pas sa faute si je suis pas gentil de cette femme. Donc, ça sert à rien de s'énerver ou quoi que ce soit. Juste dire, bah. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc Jérémy commence à expliquer la situation, qu'est-ce qu'on fait, il est 21h, on attend depuis 14h, genre quelles sont les propositions? Et vraiment, en vrai, on n'avait pas eu de chance parce qu'on est vraiment tombé sur un mec qui n'avait aucune réaction. Il disait genre, I'm so sorry, Mr. Jérémy. Il disait ça non-stop. Genre, ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, à un moment, il nous disait genre, au bout de 15 ans, il nous a dit genre, si jamais on trouve pas de solution, on vous donnera des petits chauffages. Enfin, un petit chauffage, mais un petit chauffage, genre, vous savez, les petits, c'est une solution, mais je veux dire, j'ai pas envie de dire exactement combien nous coûte cette nuit. Mais je vous assure que c'est pas normal. Du coup j'étais en mode là on va pas s'entendre. Trouvez-nous d'autres chambres, c'est... enfin je veux dire c'est pas très compliqué quoi. Au final il me dit qu'il n'y a pas d'autres chambres disponibles, genre en gros qu'il n'y a pas le choix quoi. J'étais en mode bah non, enfin moi je dors pas là quoi. Enfin je veux dire je vais pas dormir sinon je dors dans la neige, c'est exactement la même chose. Il fait moins 15 degrés dans la chambre. Donc ils ont vu qu'on commence à être un peu impatient et il y a une manager ou je sais rien qui est arrivé et qui a checké l'ordi, qui a trouvé une chambre mystère, qui a dû se libérer pendant une conversation. Et on va nous changer de chambre ce soir. En tout cas, il ne faut pas se laisser faire. Faut pas s'énerver parce que c'est pas de leur faute, moi. Faut proposer des solutions quoi. Là on a trouvé un petit resto. Après, on va aller voir tout le village. Je suis en train de lire vos commentaires sur la dernière vidéo. Je like tous les jours. J'aime trop. Et vous êtes en train de me supplier de faire une vidéo McDo à la pomme. Je vous déteste. Et je vais devoir le faire. Premier vrai repas. J'ai failli me casser la gueule. Fais gaffe, ça glisse. Là, c'est une patinoire, là, la descente. Attends, je vais en position. Papy à la neige. Ça, tu vois, ce sera ma meilleure partie de la Laponie. Juste à attendre que tu tombes, c'est vraiment un plaisir pour moi. J'ai regardé les commentaires de la vidéo. Tout le monde se moque de toi. T'assumes? Ils sont jaloux, c'est tout. Oh, il fait tellement froid. Tu vas tomber malade, putain, arrête de faire la conne. Je vous explique la situation, il fait vraiment moins 20 degrés, littéralement moins 20 degrés. Ce n'est plus gérable, on va devoir rentrer. Troisième chambre. On est revenu sur la chambre de la dernière fois, enfin c'est pas exactement la même, mais c'est le même format de chambre. Ils nous ont donné du champagne pour se faire pardonner. C'est la meilleure vue de toutes les vues, il n'y a vraiment rien devant. Pour le coup, je me lasserai vraiment jamais de cette vue. Ça y est, je suis douchée, crémée. Il me reste plus qu'à me sécher les cheveux. Je suis extrêmement dans la merde parce que je dois monter cette vidéo. Mais j'ai décidé, pour une fois, d'être dans le déni, de me poser au lit et d'essayer de dormir. Demain, on doit rendre la chambre hyper tôt. Donc, je vais essayer de dormir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça me ferait très plaisir. Activez le notif parce que je sors quand même une vidéo par jour tout le mois de décembre jusqu'à Noël. La dernière vidéo sortira le 24 décembre. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour me suivre dans mes futures aventures. Il reste deux vidéos en Laponie. Ensuite on va à New York. J'ai trop hâte. Même si j'avoue que j'ai pas envie de partir. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve demain à 18h dans une prochaine vidéo. Mouah.